Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez? Amiral, où êtes-vous? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez les secours. Il y a des blessés ici. Major! Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Compagnie... Ah, ok. Il ressemble vaguement à des butariens, ceux-là, quand même. Des munitions, ça va aller. Je n'ai plus de munitions. C'est la merde. Bon, Kaidan, c'est quand tu veux que t'arrives. En voilà d'autres. Voilà la cavalerie. Ah. Ah, merci. Il était temps. Bienvenue à bord, Shepard. Merci. Shepard. Allez, monte. Partez sans moi. What? Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez au conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter? Je vous fais confiance. Allez, partez. C'est un ordre. Je suis plus un soldat. Tenez, vous êtes réintégré. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, amiral. Avec une armée, c'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. Là, je vous avoue que ça me fait chier de le laisser ici, lui. Ah, tu t'en es sorti finalement. Barrez-vous. Maniez-vous, maniez-vous, maniez-vous. Hop. Hop. Thank you.
entendit parler de la flotte d'Amiral Hackett. C'est ce qu'il en reste. Ok. Eh ben j'ai envie de dire qu'on va avoir du boulot. Ça fait plaisir. Oh, à moi. Oh, à moi. C'est quoi ce bordel? Où est Anderson? Et où on va? Hé hey! On s'en va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je le crois pas, il nous dirait pas de partir. Tu crois que ça me fait plaisir? On n'a pas vraiment le choix. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Laissez tomber. Déposez-moi quelque part. Assez! Vous croyez pas que je préférerais rester me battre? On va à la citadelle. Si ça vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Commandant? Joker, c'est vous? En chair et en os. J'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral Hackett pour vous. Passez-le-moi. Je pars. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Les forces ennemies sont écrasantes. On n'arrivera pas à les battre de façon classique. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien. Avant qu'on ne perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous alliez sur Mars. On a fouillé les archives protéines avec votre associé, Yara Tsoni. Ah! Joker, cap droit sur les archives de Mars. Mars? Bien compris. Oh, t'es aussi étonné que moi, mec. Vous êtes malade! Pourquoi Mars? Que pense-t-il que nous y trouverons? Je sais pas. Mais si ça peut nous faire gagner... Préparez-vous. Eh bien, cap sur Mars, j'ai envie de dire. C'est quoi ce gros truc là en dernier fond? De la base, mais une grosse tempête vient sur nous. Ok. On a combien de temps? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu. Ok. Niveau 31. Ah, donc ça m'a gardé mon niveau de... du 2. Ça, c'est cool. Ah, ça m'a mis un bonus en conciliation. Alors... Eh ben, vous le connaissez, hein, c'est... En priorité... Contre la santé des gars, enflamme l'ennemi... Ouais, alors je vais plutôt prendre ça. Parce que je me souviens de sur le 2, ça c'était un peu de la merde. Alors, athlète, bonus santé bouclier, oui, carrément,
Alors, dégâts supplémentaires à la tête, santé bouclier, oui, je prends plutôt ça. Changement de bouclier, dégâts accrus, cryo, on le fera en dernier. Ça, je vais peut-être juste y mettre un point pour les débloquer. Montée, adrénaline, pour l'instant, enfin je me suis jamais quasiment pas servi, donc voilà. Vitesse de... oui, ça, oui, oui. Et ben, je vais garder mes deux points. Ensuite, lui, tu te démerdes. Voilà. Et lui, tu te démerdes. Ok. Et ben moi, on verra plus tard pour le reste. Ok, 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 et ok. Alors, par contre, arme. Voilà, on est bien d'accord. Ensuite, toi t'as quoi? Flingue et fusil mitrailleur. Pompe et fusil mitrailleur. Donc on va te mettre aux pompes. On va te mettre les munitions incendiaires. Ok. Et toi tu te démerdes. Pas de problème. Ok. Et bien voilà. Bon, par contre, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois. Peut-être avant. Putain, c'est pas une grosse tempête, c'est un putain d'ouragan. En fait, elle est dans la moyenne martienne. Un tel optimisme fait chaud au cœur. Les moissonneurs envahissent la Terre. Cette station ne répond plus. Une petite tempête de poussière est un moindre mal. C'est pas faux. Vu comme ça. Alors. Qu'est-ce que c'est? Il est de l'Alliance. Sergent Reeves. Il est mort sans se défendre. Modifié. Ah, alors. Non, par contre, ça, il y a quoi? Ouais, parce que moi, le flingue perso, ouais, je m'en tape un peu. Ok, fusil de précision. Capacité. Fait moins de dégâts mais il a une meilleure cadence, donc je prends le Valiant. Mode d'arme, ok. Là il y a quoi? Argus Valkyrie. Ah, ça fait le comparatif en plus, donc il est... Oh, il est carrément trop lourd. Bof, bof, bof. Bah je vais garder ça. Ensuite là, il est carrément trop lourd. Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est les mitraillettes. Mais par contre... c'est ça qu'il faut voir donc. Ouais, ok. Mais pour l'instant on s'en fout. Hein. Voilà. Ok, et ça vous le gérez tout seul ou... Non, il fait moins de dégâts, mais... Ouais, non, on va lui laisser ça. Et ça, je me souviens plus, ouais, non, ça c'est bon. Et les mods, pour l'instant, j'en ai pas. Ça tourne pas rond ici. Il faut faire profil bas et comprendre ce qui se passe. Bien vu. C'est quoi ça là-bas? C'est un drapeau. Ah. Cerberus. Tiens donc. What? Bordel. Il les exécute. On va essayer de se faire ça bien. C'est 7. En pleine tête. On est retiré. Raté. Raté.
toucher. 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 Raté. Vas-y, sors ta tête. Là. Oh. Pas pété loin ça. C'était des hommes de Cerberus, pas vrai? Ouais. Ils en avaient l'air. Cerberus, qu'est-ce qu'ils font sur Mars? Bonne question. Vous ne savez pas? Je suis plus avec eux, si c'est ce que vous demandez, Kaidan. Je ne demandais pas, mais admettez que c'est troublant. Et une balle dans la tête, c'est troublant ou pas? Voilà comment on fait. Ils ne semblent pas être venus en force. Non, juste quelques véhicules. Ils ont dû être aidés de l'intérieur. Ça se pourrait bien. Impossible qu'ils forcent cette installation avec moins d'un bataillon au grand complet. Mais peut-être qu'ils sont un bataillon grand complet aussi. Bon alors. Je veux une réponse franche, Shepard. À quel sujet? Vous savez quelque chose sur la présence de Cerberus? Pourquoi je saurais ce qu'ils trafiquent ici? Mais vous avez travaillé pour eux. Comment je fais pour oublier ça? Ils bossaient pour moi. Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ce n'est pas tout. Ils vous ont ressuscité, donné un vaisseau, des ressources. Pour arrêter les récolteurs ? Je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la destruction de la base des récolteurs. Et j'ignore tout ce qu'ils font ici et ce qu'ils recherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications étaient impossibles. Désolé, Shepard. C'est juste que... Ça te va, là, comme réponse ? Je ne devrais pas avoir à me justifier, Kaidan. Ah, mais c'est qu'il commence à mettre des petits cheveux blancs, le Kaidan. Ayez confiance. Oui, désolé. Je ne voulais pas... Oh. Ah. Parce qu'il essaie de se raccrocher. Wow. C'est qu'elle a changé. Elle est avec nous. Shepard, par la déesse, vous êtes en vie. De même, Lyara. Les rapports m'ont rendu folle d'inquiétude. Je suis... navrée pour la Terre. Oui. C'était dur de partir comme ça. Kaidan, je suis désolée. Mais pourquoi vous êtes ici? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Ah, des réponses. Alléluia. Des réponses, enfin. Peut-être. J'ai trouvé les plans d'une machine protéenne. Elle pourrait anéantir les moissonneurs. Oh. Ici? Sur Mars? Ça m'intéresse. Oui, dans les archives protéennes. Mais ouais, ça c'est un peu l'arnaque. J'y croirais quand je la verrai moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme? Ce n'est pas une arme.
Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque-là. Où les trouve-t-on ? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus ne l'a pas verrouillé. Fallait s'en douter. Que cherche-t-il ? Ouais, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi ? Les protéins ont failli avoir les moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. Ah, pas que. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi ? Repliez-vous à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais... Allez, exécution. T'inquiète, t'auras ta dose d'action un peu plus tard. Les voilà, mettons-nous à couvert. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Santé. Aucun problème quand on a des pouvoirs biotiques. Vous finirez par sortir. Il va vous falloir autre chose que des coups de soleil pour les achever, je parle. T'inquiète pas, j'ai des pouvoirs biotiques moi aussi. Ils sont tous morts. Bien. Trouvons le moyen de monter. Bon, ça fait plaisir de te revoir, toi. Toi, un peu moins. Il y avait un indicateur par là. Ah. Ils ont saboté l'ascenseur. Il y a forcément un autre chemin. Et ouais, et je pense que on le trouvera à la prochaine session. Ça, à la base, j'avais juste l'intention de faire cette vidéo et m'arrêter à la fuite de la Terre. Mais bon, ils ont parlé de Lyra, donc ça m'intéressait. Donc voilà, bon ben je vais m'arrêter là. Ah, il n'y a plus besoin de ce... Ok, ça c'est bien par contre. Donc ouais, ben je vais m'arrêter là, je vous dis en tout cas... Ben à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires, hein, ce qui vous plaît, etc. comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite donc de notre aventure martienne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.